Eh bien salut tout le monde, c'est Lenzilt, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ma série sur Minecraft, toujours avec le mode The Lord of the Ring. Aujourd'hui content de vous retrouver, chacun mon petit copain, le petit co copain cochon. Regardez, on se fait un bisou. Oh, oh je vois ta queue. Eh bien écoutez aujourd'hui les amis, très content de vous retrouver. Donc je me trouve encore à un endroit différent, donc je vais expliquer un tout petit peu pourquoi. Donc on va déjà ouvrir voilà la carte. Donc la dernière fois on avait visité les marais de la comté, les boisés, les différents boisés et les landes de la comté. Donc souvenez-vous, on avait rencontré Gruin, fils de Nara, qui nous avait changé du stuff, donc un plastron nain des montagnes bleues, un marteau, une lance et une dague. Et on était, enfin j'étais vraiment super content de cet échange, cet échange qui m'a permis d'améliorer mon stuff et de ben voilà, de gagner un petit peu, je crois, d'alignement chez les montagnes bleues. Ça faudra que je vérifie. Et aujourd'hui, les amis, donc on se retrouve ici. Donc le point, c'est où? À Longoulé. Donc je me suis mis à côté d'un point pour pouvoir me retrouver par la suite. Donc pourquoi j'ai choisi cet endroit? Ben d'abord parce qu'il y a une petite rivière avec du sable partout. Enfin voilà, ça, avec le petit pont, il y a des habitations par là. Il y a la route. C'est assez joli. J'ai pas tué tous les animaux, ben, parce que j'avais envie quand même de laisser un. Je vais augmenter un tout petit peu mon son. J'avais envie un petit peu de laisser un côté naturel. J'ai laissé les arbres, c'est pour ça. Aujourd'hui, donc, on va construire notre propre maison, ma maison. Alors, je vous préviens, on va faire ça au feeling. J'ai quelques idées, mais voilà, vous allez voir mes talents de constructeur, oui, de bâtisseur. Mais tout d'abord, on va déjà faire chauffer notre nourriture. Ici, nous avons 5 pommes vertes. J'espère que vous n'entendrez pas mon ordinateur. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Attendez, je crois que j'en avais encore. Là, nous avons du poulet cru. Et je crois que c'est tout. Avons-nous du charbon? Non, nous n'avons pas de charbon. C'est pas grave. On va utiliser un petit peu de bois parce qu'on est riche en bois. Donc, oui, j'ai récolté un petit peu de bois de pin de la comté, de bois de châtaignier et de bois de chêne. Je me dis que ça servira par la suite. Hop, on va équilibrer tout ça. Le poulet cru, voilà, comme ça cuira encore plus vite. Ensuite, nous avons nos minerais, voilà notre moyenne bourse. Minerais, on n'a rien à faire cuire en minerais. Mais j'étais pourtant persuadé, là on a rien. Non, non, on a rien, bah écoutez, tant mieux, j'ai posé ces fours alors pour rien. Alors, ah oui, voilà, on devait faire chauffer le sable, c'est le sable que je dois faire chauffer. On va faire plus de planches. Hop, alors, le sable, on va le diviser en 3. Ça aussi, on va le diviser en 3. Ah, donc le sable, pourquoi je l'utilise? Ben, tout simplement pour faire des vitres. Donc pour notre futur de maison. Donc pour notre maison, nous allons utiliser le bois de pin de la comté, qui est vraiment super joli. Enfin, moi j'aime beaucoup ce bois, contrairement au bois de chêne, qui est assez classique, et au bois de châtaignier, qui me paraît un peu trop. Je sais pas, c'est pas mon style. Donc on va les récupérer. Donc voilà, on va vraiment faire ça au feeling. Je vais vraiment faire ça au feeling. Alors c'est parti, on commence. Alors la torche, tu dégages. On va déjà virer trèfle. J'ai pas de trèfle à 4 feuilles, c'est dommage. Ah, j'ai changé ma touche. Contrôle, jeter un objet F. Ben, normalement c'est ça. Ah oui, voilà, faut que je change ici. D'habitude je méca. Chaque fois que je redémarre en Minecraft, ça me le change. Bon bref, ce n'est pas très grave, ce n'est que détail. Allez, on va péter tout ça histoire d'avoir un terrain assez plat. On va pas la faire trop grande non plus. Donc pourquoi je fais une maison? Bah déjà pour avoir un petit habitat, c'est quand même, ça me paraît quand même plus logique. Je cherche quoi? Je cherche quoi? Voilà ma pelle. Voilà un petit habitat en gros où je pourrais poser toutes mes merdes. Parce que c'est vrai que c'est légèrement chiant d'avoir tout le temps l'inventaire mal rangé. Ça m'embête un petit peu. Et puis aussi, voilà, je pense que ça peut être un objectif. Construire dans chaque région une petite maison, voilà un petit abri montrant notre passage. Alors c'est parti, on va commencer. On va laisser cet arbre ici. Hop, allez, on va commencer donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça me semble bien. Ouais, 10, ça me semble bien. Ça fera une bonne petite maison. Je pense qu'on fera qu'un étage et peut-être un sous-sol. Donc attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Je me suis trompé, bien évidemment. Non, quoique, 9, c'est bien parce qu'on aura la porte d'entrée. Et en largeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
On va mettre 8. Ouais, voilà, ça me semble, ça fait une bonne petite maison. Hop. Comme ça, donc je vous promets, l'épisode durera 20 minutes, pas plus. Enfin, voilà, dans les 20 minutes. Oh, le verre! Oh non, le verre n'est pas modélisé. Ah si. Est-ce qu'on peut le récupérer? Non, d'accord, c'est une bêtise. Il nous manque du bois. On va mettre des bûches. Hop. Tout ceci est très organisé. Là, j'ai tout récupéré ici. Ici, nous avons notre nourriture. Donc voilà. Alors, ensuite, nous allons faire des planches. Les planches de bois de chêne m'ont aussi beaucoup plu. Vous voyez, c'est. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est celle qu'on voyait sur les moulins. Ouais, voilà, je trouve que ça va, ça, vraiment, ça va très bien ensemble. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça comme ça. Comment je pourrais faire? Bon, je vais éviter de tout transformer en planche. Je pense qu'on sait jamais, on en aura peut-être besoin. Déjà, on va faire la hauteur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, comme ça me semble bien. 1, 2, 3, histoire qu'on histoire que nous puissions habiter dans cette maison. Et les hobbits aussi, c'est fait pour tout le monde. Aïe, j'ai perdu un petit peu de vie. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis niveau 20. Je pense que dans le prochain épisode, on finira peut-être la maison si on n'a pas, si on n'a pas le temps de la finir. Alors attendez, l'entrée, on a dit qu'elle serait. Alors là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'entrée, je la vois bien par ici, moi. Attendez. 1, 2, 3, oui, ici l'entrée. L'entrée me semble pas mal ici. Alors, est-ce que les portes seront de différentes. On va voir. On va déjà essayer avec du bois de chêne. Une porte, je crois que c'est comme ça. Voilà, une porte. Donc, ça, c'est une porte en bois toute simple. Et est-ce qu'elle change? Non, elle ne change absolument pas. Donc, on va garder ces planches. On va la faire plutôt en bois de chêne. Je crois que c'est en 1.8 où les portes, elles sont différentes selon les bois. Voilà, une petite porte toute simple. Vraiment, ça va être un truc tout simple. S'il y a des gens du comment ça s'appelle, du projet Imperium, les architectes qui regardent ça, ils vont m'insulter. Mais bon, c'était pas grave, je m'en fiche. Alors, niveau, c'est bon. Niveau, c'est bon. Hop, on va. Donc là, on va mettre des planches. Oh, comment ça se fait que. Oh, c'est. Oh, le soleil! Oh, c'est tellement bien fait. Alors ça, c'est pas mon pack de texture, c'est vraiment le soleil. Découverte, on peut regarder le ciel très bien. Regardez, quand on regarde le soleil, je n'y vois plus rien, je suis aveuglé. Et là, vous êtes aveugle normalement. Ah, c'est vrai que ça fait mal aux yeux. Comme dans la vraie vie, bizarrement. Oh, il ne reste plus que 12. Oh bordel, j'aurais dû en prévoir légèrement plus. Bon, ce n'est pas grave, on fera avec. J'ai envie de dire, on fera avec. On pourra prendre différents bois au pire. Ce sera. On va éviter de le regarder à chaque fois le soleil. Ce sera. La diversité. Hop, voilà. Oui, je pense qu'on peut avoir assez. Surtout que là, on va remplir avec du verre. Notre maison sera très ouverte. Et est-ce que ces deux bois vont ensemble? Si par exemple, un truc là. Ça fait moche. Ça fait moche, ça fait moche. Le problème, c'est que j'en. Mais je comprends pas pourquoi j'en ai pas pris assez. Attendez, j'en ai peut-être mis dans des coffres. Enfin, dans mes bourses. Hop. Je pense que. Ah, voilà, j'en ai un stack ici, d'accord. Tout est plus clair. Ah oui, désolé, mais vraiment désolé pour mon inventaire, vous inquiétez pas, tout va s'arranger, tout va s'arranger. Tout va bien se passer. Voilà. Là, on a nos planches. Ensuite, je propose de faire des petits escaliers. Voilà, des escaliers en bois, pour donner un certain style. Comme ça, voilà. Oh putain, j'en ai déjà plus. Oh là là, ça me coûte tellement cher en bois. Alors, ce qui est bien, c'est que sur cette version, on a les petits avantages là, les petits trucs avec la souris. Vous savez comment on peut facilement les cra enfin, crafter, quand c'est facilement craftable. Là, je pense que je ferai autre chose. Hop, on va continuer là. Est-ce que j'ai mis mon timer? Je regarde, désolé, j'ai pas fait mon nous parce que je veux vraiment que l'épisode ne dure pas plus longtemps que 20 minutes. Parce que j'ai dit que je m'en foutais au dernier épisode, je crois que j'ai dit ça. Mais quand je l'ai mise en ligne, je m'en suis pas foutu longtemps parce que ça m'a pris légèrement beaucoup de temps. L'épisode, il faisait vraiment, il était vraiment très, enfin, il pesait vraiment très lourd. J'ai essayé toutes les manœuvres pour qu'il pèse le moins. Genre, ah ok, tu bois une liqueur. Ah, j'ai eu du speed, non c'est bon. Je crois qu'il buvait une popo. On va devoir utiliser de ce bois de pin. Allez. Hop, voilà, 64, on en a assez, on va faire des escaliers. Quoique c'est pas un peu trop. 45, non, de toute façon on en aura besoin, vous inquiétez pas.
Donc j'ai changé mon pack de texture, j'ai pris le Faithful, qui je l'avais eu à un moment, mais je le préfère parce qu'il est vraiment tout simple et il ne fait pas laguer. Voilà, c'est juste un pur choix au niveau du lag et du esthétique aussi, j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup. Voilà. On va commencer la toiture, je vous propose la toiture qu'on fera en planche aussi, encore une fois. Tout sera en planche. Ma maison, ce sont des planches. On va faire comme les petits cochons. Voilà, écoutez, hein, c'est vraiment très basique. Mais bon, il va falloir se contenter de ça. De toute façon, on va pas y rester longtemps. Hein. C'est juste un endroit pour stocker nos ressources. Et aussi, voilà, pour s'abriter, pour dormir aussi. Parce que si on meurt, bon, je vois pas comment je peux mourir. À part si je tombe dans la lave, si on va dans les couches inférieures. Je vois vraiment pas comment je peux mourir. Mais sait-on jamais, sait-on jamais. Punaise, je me trompe, désolé, vraiment, je suis vraiment très lent, je n'ai jamais été très rapide pour ce genre de truc, 20, il m'en faudra plus. Parce que j'essaie quand même de garder les bûches au maximum, ça pourra me servir par la suite, je crois pas que j'aurai des torches. Et si je regarde le soleil comme ça, non, oh, ça rend super beau ce coucher de soleil, admirez, admirez, admirez les amis. J'accepte une autre quête, je crois, ou alors il y a une quête qu'on peut réaliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait accepté, attendez, regardez, hop. On a les pommes, donc celle-là on pourra pas la réaliser, les 4 hydromels, enfin en tout cas pas pour l'instant. Voilà, les 5 plats, je les ai ici, on pourra retourner au pire dans quelques épisodes. Où sont les vers? Les vers, c'est bizarre, ils se mettent mal dans la main. Écoutez, c'est pas très grave. Ah ouais, ça fait les trucs dégueux, ça fait pas comme la 1.8, j'ai l'impression. Écoutez, c'est pas très grave. Allez hop, on fout ça comme ça. J'espère qu'on en aura assez. Oh putain, on voit bien le gitan qui ne s'y connaît pas du tout. J'ai surtout aucune notion de comment faire quoi. Oh putain, j'aurais jamais assez. Oh là 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 là. Ah si, quoique, peut-être, je ne sais pas. Oh punaise. Eritano. On va éviter de le casser le verre du coup parce qu'on peut pas le récupérer. Bon, ça commence à avoir de la forme notre petite maison avec deux grandes baies vitrées. Je pense qu'on va s'attaquer au toit le temps que tout cuise ici. Hop, hop, l'escalier en cobble du maçon. Alors le toit, on va faire quelque chose de... Oh, et la maison vraiment d'en haut, vue d'en haut, elle est vraiment sympathique. Elle a pas une forme... Ah oui, c'est parce que... D'accord, j'ai compris. Elle a pas une forme, non, ça c'est du châtaignier. Elle n'a pas une forme carrée, basique. Alors, on va augmenter d'un ici pour voir ce que ça donne. Je fais des tests, hein, je vous ai dit, on y va au feeling. Voilà, comme ça me semble. Ça me semble pas mal, on va voir ce que ça donne. J'aurais pu faire une maison de hobby dans un trou, mais bon, je ne sais pas. Là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Si on met ça comme ça. Ah non, c'est affreux. On va faire des dalles, enfin des. Oui, des dalles ou des demi-dalles. Les dalles. Bah, du coup, on peut les faire en chaîne. Hop. On va faire un tout petit peu plus. Voilà, 6. Non, même 12. Oh, ah, c'est vachement rentable en fait, les dalles. Dalles en bois de chêne. Ah, mais ce sera pas la même, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. J'ai cru que je pouvais les niquer. Où est mon bois? Où est mon bois? Ah non, on va faire comme ça. Hop. D'accord, donc là, ça change. Donc, c'est que pour les. Qu'on appelle les fences, les portails et les. Oui, les barrières, voilà. Alors là, j'aimerais bien faire un truc du genre. Comme ça. Ouais. Comme ça me semble bien. Je crois que je vais mettre des torches après. Ça fera légèrement plus chaleureux. Hop, on continue ici. Il va nous manquer, bien évidemment, des. Comment on appelle? Oh putain, j'en perds mon langage. Putain, arrêtez de boire, j'ai l'impression que je me fais attaquer. Si vous aussi, vous avez peur de ça. Hop, putain, j'arrive plus à faire la touche rapide là. Ah voilà. 12. Voilà. Est-ce que ça rend bien déjà? Ouais, ça fait vraiment très moderne par rapport aux maisons. J'ai jamais réussi à donner un style à mes maisons, de toute façon c'est tout le temps les mêmes. Avec les quatre piliers tout le temps en bois.
Là, est-ce qu'on peut... On va faire un truc comme ça, là, du genre. Ah, là, c'est stylé, par contre. Là, c'est stylé. Là, ça pète le swag. Ouais, les murs comme ça, c'est joli quand même. Ça fait un petit peu bunker, mais bon. J'aime beaucoup. Bon, on va transformer la moitié parce que ça m'énerve. Hop, ici aussi. Ça nous en fait 32. 32, on va avoir assez, bordel. Hop, hop. Ben voilà. Et là, on... un truc comme ça. Ben voilà, elle est super bien, notre maison. Me faites pas chier, bordel. Ah, quoique là, ça fait un petit peu bizarre. Bon, ce n'est qu'un détail. On n'ira pas voir ça, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le toit, est-ce qu'on continue jusqu'à la fin? Ça fait très basique, ou alors on arrête là, on fait un truc plat. Comment ils ont fait? Ouais, eux ils sont montés. Je m'inspire des maisons hobbits. Après, les maisons hobbits, de toute façon, elles sont dans dans la terre. Je propose, je ne sais pas si on aura le temps, donc je propose, on va déjà tout transformer ici. Nous allons faire des coffres. Hop, on peut même refaire un tour. Voilà. 6 coffres, ça me semble bien pour pouvoir tout stocker. Alors, on va faire les deux coffres. Ici, hop, hop. Ok, hop, voilà. Ensuite, on va mettre... c'est qu'on pourrait les mettre ceux-là. On va mettre en face. Bon, il nous faudra nous en faire. Alors, je vous propose que quand on arrive à droite, ce soit les blocs. Les blocs, les blocs, les blocs. Où est ma grande bourse? Elle est là. On peut pas les poser directement dans le coffre. Ah mince, c'est dommage ça. Les blocs, donc on va mettre ça, 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 ça. On fait un peu de rangement par la même occasion. Le coffre là-bas, non, le coffre direct là, ce sera la merde. Les châtaignes grillées, les graines de blé, ça, ça. Les plats, les trèfles, j'en ai rien à foutre. Ça, ce sera le stuff. Donc on va repack. Ça, ce sera les trucs un petit peu importants. Ouh, la table de commandement. La table de commandement, je la vois bien là, bien au milieu. Boum! Regarde si c'est pas stylé. Je ne sais pas du coup si ça a changé d'endroit. Non, on a quand même une bonne vision du. Voilà, de là où on est, on voit carrément. Ouais, voilà, on voit la région et un petit peu ses alentours. Du coup, je finis de prendre les blocs. Hop, les établis, ça. Tout ce qu'on avait récolté dans les épisodes précédents. Ici, nous avions la nourriture, donc ce n'est pas très grave. Ok, donc. D'où tu t'invites dans ma maison? Bonjour, bonjour, oui, bonjour. Que fais-tu chez moi? Tu sais que je peux te tuer? Non, j'ai pas envie de perdre l'aliment, c'est juste pour ça. Autrement, tu serais mort. On va foutre. Ah, bah voilà, c'est. Elle est partie comme elle est revenue. Elle est venue faire sa petite visite, lui aussi, je pense qu'il va venir. Allez, venez chez moi, c'est la fiesta. C'est pas encore fini, on n'a pas tout. Tout n'est pas meublé. Putain, mais ça finira jamais de cuire, cette merde, hein? Pas très grave, j'ai pile 10, je pense que j'aurai pile assez. On fera le toit et le sol dans le prochain épisode. On va pas rester sur de la terre. Ici, je propose de mettre tout ce qui est stuff. Et oui, tout ce qui est stuff. Il nous manque un petit peu de bois. Hop, le bois, donc on a dit que c'était ici. Le rondin pour eux, on a dit que ça servait à. Bon, on va prendre du bois de châtaignier du coup. Les rondins pour eux, on a dit que ça servait à rien. Juste à faire de la décoration dans un petit endroit. Putain, j'aurais jamais assez pour deux. Oh là là, l'organisation, c'est quoi? On va tout prendre, on va tout mettre à l'intérieur. L'organisation d'un homme. Hop. Voilà. Il nous faut un peu plus de bois. Hein, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons poser la table de crabe, moi je la vois bien, genre ici. Ouais, ici ça rend bien. Non. Hop, comme ça. On fait un autre coffre, comme ça on a notre petit double coffre. D'ici, et là je vous propose que ce soit là on a les blocs, là on a la merde, ça c'est le coffre à merde. Là je vous propose que ce soit les trucs plus importants comme les livres, les ficelles, les pièces d'argent. Donc ça on l'avait dans celui-là. Voilà, hop, on va poser tout ce qui est minerai, tout ce qui est à peu près important. Hop, tout est important bien évidemment. Et la nourriture, on a dit. Ah oui, voilà, j'aurais pas de coffre pour la nourriture. Mais de toute façon, la nourriture, je pense qu'on l'a gardée sur soi. Un bloc de bouse. Alors, on prend tout, on va tout mettre à l'intérieur. Ah oui, tout avec lui, mince. J'aurais pu récupérer à la main. Bon, ce n'est pas très grave, ce n'est qu'un détail. Alors, où c'est qu'on va mettre tous ces fours? Là, moi, je verrais bien déjà les trois fourneaux. Hop, hop, hop. Voilà, si c'est pas joli comme ça.
Oh, la dans la maison est vraiment bien, j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup. Oui, elle est vraiment pas mal. Et le four au bit ici? Allez, on fait comme ça. Le sable, on n'en a plus besoin. Le bois de chêne, on n'en a plus besoin. La pousse, on n'en a pas besoin. Mais écoutez, on est vraiment bien là. Là, on a encore des items. On a encore des merdes. Alors, on va tout prendre. Hop, 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 hop. Le lit, où c'est que je le placerai? Je ne sais pas, on va voir. Alors, la merde, on met ici. Oh, les tonneaux, on va pouvoir les mettre. Attendez. Moi, je les verrais bien, regardez. Hop, ici. Oh là là. C'est super, putain, et ça rend vachement bien. Je suis super content de moi. Hop, on a tout vidé dans nos bourses, sauf celle-là. Zéro espace utilisé. Bah écoutez, parfait. Les seaux, c'est quand même pour moi important. Le soda, la canne à sucre, le sucre. Les livres, les laisses, le cuir, le papier. Encore de la nourriture. Bah écoutez, je pense qu'on a à peu près rangé. On va mettre dans le coffre à merde ça. Bon, ici, il y a vraiment tout ce qui est important, enfin qui me paraît important. J'aimerais bien quand même obtenir une pile comme eux là. Je sais pas comment ils font. Hop. Ben écoutez, voilà, on a à peu près tout fini pour moi. Enfin, tout fini. Non, ce que je voulais faire dans cet épisode est vraiment. Mais ça passe vraiment super vite. On en a combien de temps? 21 minutes, bordel! Comment voulez-vous que je fasse des épisodes à peu près normaux en 20 minutes? Donc je pense qu'on a. Quand même, on agrandira la durée des épisodes parce que 20 minutes pour faire une toute petite maison, c'est quand même vraiment chaud. On va poser le lit, la touche finale. Le lit qu'on va mettre là. Voilà, hop, on fait ça en mode gitan. Et bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ce petit épisode, très court, 20 minutes et encore un peu plus. On aura fait la maison, on l'aura commencé. Il nous restera donc la façade arrière à meubler, à finir de meubler l'intérieur, à ranger les coffres, à mettre le sol en bonne et due forme et à faire le toit. Donc je pense que dans deux épisodes, on ira dans les mines pour voir si on peut s'enchanter mais tout ce stuff. Donc le plastron, donc le stuff qui est disponible qu'avec ce mode. En attendant, les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas. Mettez un pouce vert, mettez un petit like pour savoir si ma maison est bien. Il y a intérêt, il y a intérêt, autrement je vais vous châtier. Je pense que lui va rentrer dans la maison. Non. Ça va. Donc vraiment un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao ciao!